cette semaine, le Kia Telluride. Édition nocturne. À quoi on peut s'attendre côté prix? Écoutez, de base, un Kia Telluride, c'est dans les alentours de 48 205 Puis, un modèle similaire comme celui-là qu'on a en arrière de nous, de base, c'est un SX Limited d'édition nocturne. Ça tourne dans les environs de 57 705 Et le modèle à l'essai aujourd'hui est de 57 955 Il n'y a pas beaucoup d'options disponibles chez Kia. Quand on choisit un modèle, c'est pas mal ça qu'on a. Il y a souvent juste la peinture qui est optionnelle. C'est pour ça que le prix est proche du prix de base. Maintenant, on va voir plus en profondeur ce qui fait de ce Telluride-là une édition nocturne. Premièrement, écoutez, on a les écritures ici, Telluride, en noir. On a un logo Kia spécial, tout noir. On a la grille avant et ce morceau ici, juste en bas, tout noir encore une fois. Si on regarde les lumières, comme vous pouvez voir au fond des lumières, on a éliminé tout le chrome, tout est noir. C'est vraiment ça qui se passe en fait avec l'édition nocturne, c'est qu'on élimine le chrome sur le véhicule. On a des roues de 20 pouces noires encore une fois. Si on poursuit sur le côté du véhicule, on a tous les contours de fenêtres ici autour qui viennent la même couleur que la carrosserie du véhicule, donc vraiment très beau. On a les rails de toit noirs. Et si on poursuit à l'arrière, on retrouve encore une fois tous les logos en noir. Du côté de la valise, si tous les bancs sont levés, on a une valise de 601 litres d'espace. Si on couche les deuxième et troisième rangées de bancs, on a jusqu'à 2455 litres d'espace disponible. Sous le capot, on retrouve un V6 de 3,8 litres, bon pour 291 chevaux et 262 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission automatique 8 vitesses. Un moteur, regardez, qui donne des performances décentes. C'est pas le plus puissant de la gamme, mais c'est quand même considérable. Derrière le volant du Kia Telluride cette semaine. Un véhicule qu'on avait hâte d'essayer. Oui, il faut se dire, le Kia Telluride, un véhicule qui a gagné de nombreux prix, qui est recommandé comme un des meilleurs dans le segment. C'est une des raisons pourquoi on avait vraiment hâte de l'essayer. Le Telluride, c'est un peu le frère du Hyundai Palisade qu'on avait eu à l'essai l'été passé. Oui, en fait, c'est le même véhicule. Hyundai, Kia, la même compagnie un peu. Différentes approches, mais en fait, on pourrait dire le frame, la monocoque en tout, le moteur, la transmission, tout ça, c'est la même chose. Bon, pour ma part, regardez, dans les deux, je préfère le Telluride au Palisade. Je trouve que juste le design extérieur, intérieur, il est plus jeune, il est plus sport. Je trouve que Hyundai Palisade fait un petit peu plus pépin. Moi aussi, je préfère le Kia Telluride, comme je le dis, il fait un peu plus jeune. Versus le Palisade qui avait plus de chrome, plus de plastique un peu partout. Là, on se retrouve dans un intérieur un peu plus épuré, puis un peu plus au goût du jour. Je trouve que chez Kia, côté design, on s'est inspiré un peu de ceux qui avaient déjà une bonne place dans le marché, même si c'est pas la même grosseur. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été empruntés au Ford Explorer. Côté design, il y a beaucoup de trucs, ça sort un peu GMC, un peu l'ancien Yukon. On dirait vraiment un petit Yukon pour la moitié du prix, un peu, à Telluride. Fait que j'aime beaucoup ça. Fait qu'on a l'air d'avoir vraiment un véhicule qui coûte cher aussi. Surtout cette semaine, là, on a vraiment un beau groupe d'options, là. Regardez, on a toutes les finis en noir. On a une belle couleur vert un peu armé. Le soir, il vient plus vert, il vient comme brun foncé. J'aime beaucoup ça. Vous le savez, moi, personnellement, quand on élimine le chrome, on vient me chercher un peu. Quand on met des mags noirs, ces choses-là, c'est vraiment mon genre. Oui, comparativement au Palisade qu'on avait eu à l'essai, où il y avait beaucoup de chrome autour. Tu disais souvent toute la semaine que c'était un peu un véhicule de pépère avec le look. Mais là, de ce côté-là, surtout avec la couleur, hein, les deux, moi, je quand on a vu la couleur de ce véhicule-là, les deux, on a dit « Oh wow! » On espère que c'est celui-là qu'on a à l'essai cette semaine parce que la couleur est juste écœurante. Bon, cette semaine, regardez, c'est sûr et certain que le Telluride, quand on regarde les médias puis on regarde partout sur Internet, c'est un peu le champion.
Fait que je m'ai dit, ouf, il va falloir que je trouve des défauts à ce camion-là. Fait que jusqu'à présent, regardez, un camion, je pourrais dire qu'on a une bonne expérience. Il y a sa place de champion facilement, on pourrait dire, qu'on passe un petit peu de temps avec lui. Mais en gros, confort sur la route, je trouve qu'il se porte bien, mais c'est pas le plus confortable. Non, côté bain et tout, suspension, il n'est pas à 100%, mais par contre, qu'est-ce que j'ai remarqué, ça va bien. Puis c'est pas comme une van. Tu sais, il y a certains VUS de cette taille-là qui peuvent embarquer 6 ou 7 passagers, qui vont ressembler beaucoup à se conduire comme une van. Là, c'est pas le cas. On se sent un peu plus comme dans un Explorer. Un peu plus dur côté suspension, c'est pas le plus confortable, mais au moins, il tient bien la route, il est le fun à conduire. Fait que ça vient matcher un peu son look sport. Si on regarde l'intérieur du véhicule, à comparer surtout du palissade, moi, je trouve que tout est bien placé, tout est beau. Vraiment un des plus beaux intérieurs dans ce segment de VUS-là. Oui, côté ergonomie et tout, dernièrement, les véhicules qu'on a eu à l'essai, on a eu de la misère des fois. Quand on faisait charger notre téléphone, c'était moins accessible. Là, c'est vraiment fait sur le long. On a de la place pour tout. Tout est accessible. Tout est facile à utiliser. Fait que de ce côté-là, encore une fois, ils ont réussi. Il y a beaucoup de gadgets dans le palissade, mais tout est facile à utiliser, tout est facile à trouver. On cherche pas pendant 10 ans le bouton qu'on veut utiliser. Les sièges chauffants sont faciles à trouver. Jouer avec nos différents modes, c'est facile, c'est juste à portée de main. Même l'écran fonctionne très bien. Les boutons pour la climatisation, c'est des vrais boutons. Moi, c'est important pour moi. Quand c'est un petit peu touchscreen, ces choses-là, quand c'est l'hiver, il fait froid, on a des gants, ça fonctionne pas très bien. Oui, de ce côté-là, tout va bien. Puis moi, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, encore une fois, que je trouve qui est un vraiment gros plus, c'est toutes les aides à la conduite que le véhicule offre. Je donne un exemple, quand on met notre clignotant pour tourner, changer de voie, devant nous, entre les deux cadrans à l'avant, il y a l'image du côté du véhicule où on tourne qui apparaît. Donc là, on peut vraiment voir où on s'en va. On n'a pas peur d'accrocher notre véhicule. Si on se stationne, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont opter pour le plus gros véhicule parce que la famille s'agrandit. On n'est pas habitué, mais là, ça vient vraiment enlever un stress. Si pour vous, c'est quelque chose qui est stressant, fait que ça vient vraiment limiter les accidents, le stress de ce côté-là. Maintenant, si on passe plus à l'arrière du véhicule, donc on a deux toits quand même assez grands, puis je trouve ça le fun. Là. Moi, les enfants aiment ça, avoir un toit ouvrant pour eux à l'arrière, fait que je trouve ça super. Puis l'espace à l'arrière, on a les deux bancs capitaine, quand même confortable. Pour ce qui est de la troisième rangée, moi, je rentre dedans, j'ai de l'espace à l'arrière. Qu'est-ce que j'aime moins, c'est que le plancher est surélevé. Je trouve que ça enlève un peu d'espace et de confort, mais j'entre facilement. Donc, les enfants peuvent entrer. Jules, lui, c'est... On va faire le test. On va voir si je rentre dans la troisième rangée. Jules, t'es prêt? Oui. Vas-y. On va essayer ça. Premièrement, je vois qu'il y a quand même un step. Fait que c'est un point négatif un peu. Bon, mais je suis capable de rentrer, puis faut pas oublier que le banc à l'avant, on peut l'avancer un peu. Fait que si la personne en avant de moi est un petit peu plus petite que moi, on peut l'avancer. Fait que c'est un succès. Je rentre dans la troisième rangée du Telluride. J'ai à peu près... pas super le banc. Peut-être un pouce ou deux. Ma tête, à touche. C'est sûr que je serais pas trop confortable trois personnes. Deux ou tout seul, correct, là, mais... Wow. Avec les nids de poule et ta tête dans le toit. Mais quand même, je rentre. Un gadget vraiment super que j'ai découvert dans ce véhicule-là, qui est extrêmement pratique pour les gens qui, comme moi, ont une petite voix. Juste ici, vous appuyez, puis ça fait des haut-parleurs. Jules, est-ce que tu entends ma voix, même dans la troisième rangée? Quand, à place de crier, vous pouvez utiliser le Driver Talk, ça s'appelle. Fait comme ça, votre voix est projetée vraiment dans les haut-parleurs jusqu'à la troisième rangée. Fait que les enfants chicanent, on garde notre calme et on parle avec le Driver Talk tout doucement. Et on a quand même une grosse voix autoritaire. Bon, côté performance, regardez, on pourrait dire que c'est similaire à toutes les autres VUS dans la même classe. C'est pas le plus puissant. C'est pas celui qui est le plus lent.
c'est pas le plus rapide. Il est juste comme au milieu, je pourrais dire. Ouais. On a testé l'accélération. On pourrait dire que c'était normal, là, considérable, là, pour quelque chose pour donner des sensations fortes. Mais bon, regardez, c'était correct de ce côté-là. Même chose côté tenue de route. On a poussé le véhicule dans des courbes pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre. Là, c'est là qu'on vient voir la suspension qui est un petit peu plus rigide, vraiment rentrer en action. C'est sûr qu'on est l'hiver, mais on a quand même des bons pneus d'hiver avec nous cette semaine. Fait que de ce côté-là, pour le plaisir de conduire, comme Eve disait, on ne se sent pas dans une vanne. Non, on ne se sent pas dans une vanne. C'est sûr, comme je dis, la suspension qui est plus rigide, mais elle est pas, c'est pas celle non plus d'un véhicule sportif. T'sais, c'est vraiment... C'est un petit VUS qui est fonctionnel, qui est bon pour la famille, qui est quand même plaisant à conduire, mais c'est pas le plus performant. On pourrait dire que, regardez, le Telluride est vraiment fait pour la route. Une des lacunes, je pourrais dire, du Telluride que j'ai remarqué cette semaine, c'est que c'est pas le véhicule que j'irais faire un peu d'hors-route avec ou emprunter peut-être un espèce de petit chemin un petit peu plus difficile pour un véhicule. Il a un bon système intégral, mais on pourrait dire que le véhicule est conçu pour la route. Si vous voulez aller peut-être un petit peu plus dans la montagne, ces choses-là, quand on a testé le GMC Acadia AT4, lui, il était un petit peu plus fait pour ça, puis il y avait un système intégral plus avancé. Alors, on a testé quand même cette semaine le système intégral. Vous avez fait deux clips cette semaine pour vraiment vous montrer comment que ça change selon le mode que vous allez utiliser votre camion. Alors, quand vous utilisez le Telluride, vous avez plusieurs modes. Alors, il y a un mode que vous pouvez le mettre en mode smart. C'est un mode intelligent. Il va s'adapter à votre conduite. Vous avez un mode sport, un mode éco, un mode confort. C'est tous des modes qui sont super pratiques. Mais dans ces modes-là, je trouve qu'il manque un mode. Oui. Lequel? Le mode du remorquage. Tu en as parlé plusieurs fois cette semaine. Donc, ça, c'est pas disponible dans le Kia Telluride. On va se le dire, le Telluride puis le Palissade, c'est pas les véhicules idéaux pour remorquer. C'est une grosse lacune, encore une fois, pour les produits Kia et Hyundai. Fait que si vous voulez remorquer avec ça, vous pouvez pas charger beaucoup de poids sur, je pourrais dire, la boule en arrière. Il y a une capacité de remorquage qui est correcte, mais le poids qu'on peut mettre sur la boule est pas excellent. Fait que c'est pas un véhicule que je vais recommander pour vraiment remorquer avec. Puis c'est peut-être la raison pourquoi on n'a pas un mode remorquage. Si on regarde les autres modes de conduite un peu plus avancés dans le Telluride, on a vraiment le mode neige, le mode bouette, je pourrais dire, et le mode sable. Ok, je vais vous montrer c'est quoi la différence entre mettre, mettons, qu'on est dans la neige, on le met en mode sport. Vous allez voir, les roues vont vraiment spinner de tour. Là, on voit qu'on va manquer de traction. Quand on le met en mode neige, le camion va détecter vraiment que là, ça glisse et puis va appliquer vraiment la puissance aux roues pour qu'on dérape pas, qu'on spinne pas de haut, qu'on fasse vraiment un bon décollage. Tout en sécurité. Fait que ça, c'est des modes, quand vous avez de la difficulté à conduire durant l'hiver, qui vont venir beaucoup vous aider. Côté économie d'essence, écoutez, en moyenne, on l'a testé sur l'autoroute et en ville. On a fait environ du 10,6 litres au 100 km. C'est quand même raisonnable, vu la taille du VUS. Oui. Encore une fois, quand on a testé des produits comme le Chevrolet Traverse, l'Acadia, etc., un des avantages des produits GM qui étaient de la même grosseur que celui-là, c'est que le système intégral, on pouvait vraiment le déconnecter puis on venait vraiment en mode traction avant. C'est pour ça qu'avec quand on a fait des tests vraiment d'économie d'essence avec le Traverse et l'Acadia, on était capable de peut-être descendre de 1 à 2 litres plus bas que le Telluride. Mais en gros, 10 litres au 100 pour le gabarit du véhicule, c'est quand même bien. Pour conclure, je trouve vraiment que le Kia Telluride mérite sa place de champion. Je considère vraiment que c'est un véhicule qui est dans le top 3 dans sa catégorie pour tout ce qu'il offre, côté confort, conduite, joie de conduire et tout. Il mérite sa place. Puis le look aussi, on doit dire, il se démarque des autres, je trouve. Je le trouve très beau. Ouais, moi aussi, je trouve que le Kia Telluride, c'est un des plus beaux dans le segment. Facilement pour le look extérieur et intérieur. Des fois, il y en a qui sont vraiment... style van, comme tu disais, qui sont un petit peu plates. Là. Mais pour moi, regardez, si Kia pourrait améliorer un petit peu le côté remorquage, puis un petit peu plus
tough hors-route, il serait pas mal mon numéro 1 si il viendrait régler un petit peu, là, corriger ses lacunes là, de ce côté-là. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager notre vidéo et on se retrouve dans un prochain Essai routier.